Et bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Heroes of Might and Magic 2, toujours dans la campagne du bien avec notre cher Roland. Donc dans ce nouveau scénario, j'ai décidé effectivement de prendre les chevaliers. On a notre point de départ avec beaucoup d'or. Et on va en chier grave, je pense. Donc on va essayer d'optimiser au maximum, si c'est possible. Alors, on va tenter de... Ouais, on va faire la forge, donc on va déjà faire ça. Avec elle, on va aller prendre tout l'or. Tout l'or du capitaine. Mais pas que ça. D'ailleurs, on va faire un deuxième héros tout de suite. Parce qu'un héros, on n'ira pas assez vite pour tout ramasser. On va perdre du temps. On a des nains en haut, on va pouvoir aller les recruter. Alors, pour faire l'armurerie, il nous faut la taverne. Voilà, on prend, c'est toujours ça. Prendre la cabane à sorcière, c'est déjà tout, donc c'est balistique ou charisme, je ne sais pas lequel des deux. Une troupe d'orques, ouais, bof. C'est vrai que j'aurais pu faire la reine, mais je vais déjà renforcer les archers. Ok, là on pourra pas aller plus loin. On a du temps, donc on va pas y aller. Ah, c'est vrai qu'ils ont pas de... Ils ont pas de livre des sorts de base. Oui, bah et en plus j'y vais. Je le dis pour pas y aller, et j'y vais quand même. Quel idiot. D'ailleurs, on va aller voir ressources. Ok, perdu du monde hein, quand même. Hein. C'est pas nécessaire que j'y aille maintenant, mais bon. Là j'aurai besoin de pierre et j'ai même pas pris la mine. Pourquoi le... Peut-être dû me concentrer là-dessus d'abord, mais bon. Et bien, on peut déjà faire la cathédrale. Alors allons-y gaiement. Des nains! Vive les nains! Il vient de manquer maintenant, ça va être du bois, du bois, du bois et des sous. Ok. Ouais, la statue, il faudrait vraiment que je la fasse rapidement aussi. Ah.
logistique quand même. Des nains, encore des nains. On prend des sous aussi. Alors, la statue, ce sera fait. Ok, bien, on va aller lui dire bonjour. Fuis si tu veux, écoute. Hein. Armurerie renforcée, oui. On n'a pas assez de souffle. Alors on va au moins acheter ça. Puis on va attendre un tour. Hein. Ça coûte cher tout ça. On va laisser les nains qui seront récupérés par notre second personnage. C'est vrai qu'il y avait un village à prendre au nord. De l'or quand même, on va pas les poursuivre. On va faire la forge. Il y a déjà un château là, ok, on pourra peut-être le rusher du coup. Ah, dommage, j'ai pas l'éclair foudroyant avec moi, ça aurait été un gros plus. Ah ouais, une mine d'or, carrément, on est pas mal là. Un château de sorcière, ça? Ok, d'accord. Pourquoi pas? Économiser, c'est pas tant qu'on va économiser, surtout qu'on va recruter. Qu'est-ce que ça coûte cher les déplacements? Ok, il y avait un peu de monde ici quand même. Hein. Tout finance. Ça coûtera un peu cher après. Hein. La logistique. Et on va commencer à recruter ici aussi. Oh, ils ont même pas fait le cotage ni rien, putain, c'est vraiment des branleurs. On va descendre vers le château quand même, comme ça traîne. Ok, donc lui il est ridicule. Ouais, lui aussi, hein, cela dit, ils sont pas ouf. Hein.
Et on va faire ce qu'il faut. Par contre, sans orientation, se balader là-dedans, c'est juste l'enfer. Hein. On va aller leur faire la peau vite fait. Oh. En plus. Intéressant. J'ai pas ce qu'il faut, le puits oui. On va aller voir par là. Il faudrait plus de bois que ça. Bon, c'est bien qu'ils prennent la fuite, mais on peut pas faire mieux. Ça va être difficile de faire mieux en fait. Hein. Bon, il nous manque beaucoup de bois pour l'arène, ça j'aurais dû m'en douter. Et on peut recruter ici. Alors, oui. Oui. Et oui, pour le moment, on s'en limite à ça. Non, non. Charisme avancé, Baitic Expert. Charisme avancé, carrément. Et on va aller se refaire un petit plein là-haut. Et toi, tu vas redescendre un peu plus, effectivement, dans le sud. C'est prêt de nous rallier. Bon, on va le faire. J'aime pas les paysans, ça sert à rien. Je préfère avoir 48 galopins au choix. On n'est pas prêt de le faire. Ensuite, on a ça. Bah, le cottage, faut qu'on attende de toute façon. On va lui tomber dessus tout de suite. On va d'abord ça, 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 et on est bon, hein. Non, on peut recruter ça et ça encore. Ok, là ça devient intéressant. Maintenant on va pouvoir redescendre avec ça. Ah, lui c'est un petit peu plus tendu. C'est jouable, mais plus tendu déjà. Ouais, dans le doute.
J'aurais peut-être dû me rapprocher du château par contre. C'est ce que je vais faire, remarquez. On va voir. Ok, il y va? Non, il va pas. Choper. Faire du monde, mais lui aussi, et en plus on le bat, donc on va même pas chercher plus loin. Ah bah orientation principe, ça c'est bien. Déjà visité, ok, donc on aura des déplacements un peu moins chiants. On va y aller. On a bien fait. On a bien fait, je pense que là ça va être intéressant à faire. Cotage demande 5 de bois. Il n'y a pas un marché, est-ce que j'avais fait un marché quelque part? Il faut du bois pour faire le marché. Ici ok, il n'y en a pas, ici il n'y en avait pas, et ici ils n'en ont pas fait non plus. Bon bah comme ça au moins. Lui on va lui tomber dessus. Donc toi, je propose que tu sortes d'ici. On va recruter sorcière, on s'en fout. Je vais lui filer les 3 nains parce que tous les nains améliorés là ça, bon, ça va coûter un peu de sous mais ça va être vraiment cool. Voilà. Tac. Cotage renforcé, parfait. Si on a rien, on va passer le tour. Ah non, attendez, elle peut encore faire quelque chose. Guérison, elle le connaît ou pas? On va plutôt aller au nord avec elle maintenant. Ok, on y voit un peu plus clair. Passer par le belvédère. Pour la bibliothèque. Pour la bibliothèque, il faut. Ouais, ça coûte cher la bibliothèque. Il faut beaucoup de soufre. Du soufre, la mine elle est là-bas. Ah, il y a une troupe de rocs sur le chemin. Galère, galère. Bon, de toute façon, avec elle là-haut, faut qu'on aille prendre toutes les mines d'or et tout. Il faut y aller parce que. Il y a du besoin. Il y a du besoin. Alors ici. J'avais parlé d'une place du marché. Est-ce qu'elle est encore utile? Non, du coup, elle l'est plus, hein, on est d'accord. On n'a pas assez. Comment j'ai recruté là? Elle attend encore un peu là, pas pressée. Ah dommage, un mouvement prêt.
Sagesse avancée, ouais. Ici on n'a pas plus. Allez, par contre maintenant on remonte au nord comme je disais là. Priorité pour la mine d'or. Et on apprend le logistique. Parfait ça. Ok mais les jaunes sont. Ok, il n'y a qu'une couleur. Mais non pourtant il y avait plusieurs couleurs, d'accord. Ils sont bien implantés les jaunes hein, quand même. La bibliothèque, on a dit que c'était pas possible. Ce village-là, je pense qu'il restera à l'état de village. Hein, c'est pas grave, il nous rapporte un tout petit peu de sous. Ailleurs, ouais, bah ça va être économie achat, quoi. Y a pas. Il nous faut la mine d'or absolument. Bon, on va pas les poursuivre, c'est trop risqué. Oui. Alors là, on va se débarrasser d'eux. Pas nombreux. On va aller faire coucou, non? Je vais t'avoir une mauvaise surprise, moi, à force de me balader comme ça, là, en mode tranquillou. Francine, hein, c'est déjà ça de prix, hein, franchement. Ça fuit, on prend le soufre là, on en a besoin. Ça fuit, on prend le soufre là, on en a besoin. On va passer prendre ça, on va fuir. Alors, si c'est juste un qui nous manque, franchement. Mais il fallait pas que je le fasse ici. Oh là là, je réfléchis pas assez. Je pense à trop de choses en même temps. La chance des créatures en défense, ouais, non, ça je sais. La reine que j'ai toujours pas pu faire parce que ça coûte beaucoup de bois. Ok, ça commence à arriver. Ok, toi, ça va aller très loin. Ah, qu'est-ce qu'il est lent ce personnage en déplacement par contre. Oh là là. Ça va. Ça va, ça va. Mais bon. Bibliothèque. On va fortifier, pourquoi pas. C'est bien ça. On va attendre le jour d'après pour recruter et après on va sortir faire coucou. Sauf si ils sortent avant. Oh, ça devrait aller. Il bug, la musique n'est plus. Ah si, elle revient, ça y est. Voilà, total recrutement ici pour renforcer un peu ce héros-là.
On en a plus de sous. Peut-être faire mieux. Je pense même qu'on peut faire mieux. Qu'est-ce qu'on a ? Attaque à distance. Squelette. Parfait ça. Ouais, d'accord. Je vois, je vois. Je vois pas ce héros là, donc j'ose pas trop faire du move. Je vais rester dans le coin. Ok. Hop, 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 hop. C'est jouable, mais attention. Restons sagement à la maison. Eux, s'ils ont construit les tours et tout. Ouais, ils m'ont tout fait en plus, ça c'est cool. Ben voilà, bim. Prends des nains, et voilà, avec lui on peut repartir à l'aventure. Finance avancée ou chance principe? On va prendre finance quand même, parce que ce sera toujours ça de prix. Là on a tout, ok. Vraiment l'aventure là. J'arrive pas à savoir où sont leurs châteaux, c'est un petit peu angoissant. Ah punaise, je sais pas quoi faire, j'ai peur de me faire attraper le château dans le dos en faisant un mauvais mouvement. Ah, la reine. C'est toujours chiant les héros qui surgissent dans le dos comme ça là. Quand même assez nombreux donc la map est pas si petite en plus donc
j'améliore un peu le château ici quand même. Hein. Ah ouais, fais-moi bien le tour, ouais. Beaucoup, beaucoup de héros. Hein. J'aurais pu pouvoir faire un autre hein, d'ailleurs, je pense. Hein. Yes. Voilà. Voilà. Terminé. Ouais, en plus on récupère des artefacts. Hein. Plutôt sympa en plus. Je pense qu'il va falloir que je recrute d'autres héros, hein. Je vais pas en avoir assez pour lutter. Hein. C'est hyper hyper dur hein, de vraiment voir. Oh, je peux faire le château céleste, ça je le fais tout de suite. Sans même réfléchir. On a trois châteaux puissants, mais le problème. C'est le nombre de héros en face. Ok, il y a un château juste là, ça je l'ai vu. Assez explosé celui-là, faut que je fasse gaffe. Alors 20, 5, 5, et après c'est la thune qui va manquer. Ok, dommage. Je vais quand même recruter, tant pis. Histoire de sécuriser un peu le truc. Je vais laisser ce héros là un peu en roue libre, hein. Je vais pas avoir trop le choix. Hein. Faut bien qu'on avance aussi. Parce que là, le nombre de héros qui est en face. J'ai un déplacement près, je pouvais fermer le chemin. C'est toujours comme ça de toute façon. Restons méfiants quand même. C'est vraiment pas un problème de soucis, ouais. Est-ce que j'en gagne au moins un par jour? Ouais. Donc, bah non. Non, non, on va rien faire de plus, on va attendre. Tu pouvais m'inviter de recruter pour faire l'amélioration, ce serait bien. Oh là là, que de déplacements. On est en train de se faire inonder, hein, là, c'est... C'est le seul problème, parce qu'en soi on est bien plus fort qu'eux, mais voilà. Voilà, logistique expert, déjà ça c'est fait.
sais quoi, toi tu vas partir là-bas parce que je pense qu'il doit y avoir un truc jaune qui traîne là-bas, ça se trouve. Toi tu vas remonter par là. Allez. C'est fait, c'est fait. Ça va coûter cher pour les améliorer aussi. Ouais, juste déjà qu'on arrive à supprimer une couleur, ça nous aiderait un peu. Un tout petit peu, hein. C'est vraiment pour pouvoir avoir un peu de sous. C'est quoi ce château de merde? Sérieusement? Ça fait un peu plus mal lui. Bien. Bon bah écoute, mieux que rien, j'ai envie de dire. Ok, donc c'est peut-être un village hein, qu'ils ont amélioré l'autre. Hein. On va essayer de recruter un peu partout dans les trucs qu'on a pris là. Ouais, venez, 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 venez. Enfin, je sais pas, il faut que je fasse gaffe quand même, faut pas qu'ils aient une armée de fous, mais. Qu'est-ce qu'on a là? Tac, tac, tac. C'est que des héros de merde. Hein. Toi, dégage. Charisme. Toi, dégage. Toi, dégage. On va reprendre ma mine d'or parce que c'est important. Voilà. On fait du nettoyage là, hein. Il y en a un peu marre. Bon ben voilà, une couleur de moins. Ça c'est fait.
Salut, rends-moi mes trucs. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a, lui? Ah, ouais, il a quand même pas mal de trucs, hein. Ça c'est à nous. On va finir par les avoir tous là, les châteaux, hein. Mince, pardon. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme héros qui traînent dans le coin là? On a ça. Donc lui il va reprendre ça. Ouais, il a perdu quelques troupes quand même sur le chemin. Ils ont laissé des plumes hein, quand même les cocos. Hein. Tiens, on pourrait se faire plaisir peut-être, non? Rien qu'avec ça là déjà. Sans aucun problème. On prend ça. Ah, il y a un château là. Ouais, bah oui, forcément. Alors, toi, tu viens là. Joueur orange. Plus de joueur vert. Il va nous en rester qu'un au milieu. Ça va être la fin pour lui. Voilà, comme quoi on peut avoir beaucoup de héros, mais s'ils sont pourris, ça ne donnera rien. C'est un château gris ça. Et bon, est-ce qu'il fallait qu'on le possède? Je ne sais pas. Il y avait des gardés par des dragons. Et en échange? Ok. Juste gardé par des dragons quoi. Très bien. Et il nous reste quoi du coup? Il va nous rester un château par là-haut. Bien là dedans mais oh, pas trop ici quand même hein. Bon, on aura plutôt bien réussi cette mission quand même hein. Les dragons noirs, ah bah le v'là. Il attendait sagement son petit coin, dans son petit coin. Ouais, tout ça pour ça en plus, honnêtement.
juste pour le ralentir et lui faire quelques dégâts. Parce que pourquoi pas, hein, après tout. Ah mais t'es là toi. On a perdu, mais c'est pas grave. Ah, ça refuit hein, bizarrement. Je vois le château, il est juste là. Ouf, tranquille. Allez, fin du game. L'ennemi est battu, votre camp a triomphé, victoire. À présent que nous contrôlons les mines de Karator, notre position s'est considérablement renforcée. Nous avons commencé à convaincre certains des seigneurs les plus indécis d'épouser notre juste cause. Leur bastion se trouve au beau milieu d'une vallée, dont nous devons absolument prendre le contrôle, si nous souhaitons maintenir les lignes de ravitaillement jusqu'au château d'Archibald. Votre mission consiste cette fois à mettre sur pied une armée constituée de créatures de la région et de lancer une offensive contre les deux autres barons de la vallée, qui semblent refuser de nous rallier. Si vous réussissez, nous disposerons de toutes les ressources disponibles sur ce continent, et nous pourrons alors préparer une stratégie offensive. Général, c'est le roi Archibald qui vous parle. Le récit de vos exploits m'a impressionné. Je vous propose de me rallier en échange d'une récompense non négligeable. Je puis vous offrir les richesses et le pouvoir que mon frère ne pourra jamais vous apporter. Richesse et gloire, pour éviter la corde à laquelle vous n'échapperiez pas, car mon frère tombera, cela est sûr. Qu'en dites-vous? C'est le fameux scénario où on peut partir rejoindre l'autre campagne. Mais non, nous allons rester dans la campagne de Roland. Alors, vos ennemis sont alliés contre vous et commencent tout près, alors soyez prêts à vous battre. Vous devez posséder 4 châteaux de cette petite vallée pour gagner. On partira bien avec les chevaliers, ça m'a plutôt bien réussi. Un de vos alliés a rejoint Archibald, voilà face à 3 châteaux sous le contrôle de l'ennemi, bonne chance. Ça sert à de faire au mieux. J'espère que cet épisode vous aura plu, je vais l'arrêter là, il est bien assez long, 48 minutes, mais au moins ça m'a permis de vous le montrer en une seule fois. Je vous dis à très vite pour la suite sur cette campagne, merci de m'avoir suivi, à bientôt, bye bye.